Et en quelle année avez-vous créé le Jardin des Senteurs? Il y a 22 ans. En 90, on est arrivé là. Pour la création d'un tel lieu et c'était les antécédents professionnels que vous aviez eu avant ou... Je sais pas, le déclic, il est vieux le déclic, il est très vieux. C'est quoi le premier déclic? Je dirais un voyage en Crète. On a passé 6 mois en Crête et là on a vu les gens qui travaillaient leur terre avec leurs ânes, leurs oliviers et tout ça. On s'est dit tiens, on aimerait bien goûter terrain pour travailler. Travailler la terre. Ah, on avait 20 ans et quelques. Et du coup, on a acheté un terrain dans les parages, donc le premier projet. Et comme ça, en fait, l'idée est venue comme ça, la passion des plantes. D'accord. Enfin, Gabriel a toujours été dans les plantes, son grand-père était herboriste à Berlin. Ça venait déjà d'assez loin. Ouais. Actuellement, est-il conforme à l'idée que vous aviez déjà au départ de la création d'un jardin il a été modifié au cours des années, là, je suppose? Non, je dirais que c'est plutôt un puzzle qui s'est mis en place. Ah. On ne savait pas exactement où on allait, mais on savait qu'on voulait faire un jardin. Et une espèce de vitrine de pépinière tout au début. Hein. On voulait faire une vitrine vivante de ce qu'on vendait comme plante. Et après, ça s'est très vite axé sur le côté système jardin botanique, donc avec les plantes, avec leur nom latin, etc., leur usage, etc. Mais ça s'est mis en place progressivement, et c'est peut-être bien, moi je trouve, maintenant avec le recul, que ça s'est mis en place progressivement et qu'on n'a pas fait ce projet d'un bloc. Parce qu'il y a plusieurs thèmes dans le jardin, plein de différents petits jardins, et ça s'imbrique les uns les autres. Pourquoi ce choix de les plantes dominantes, donc ce sont les plantes à senteur? Parce que je sais pas, je crois que c'est ce qui touche le plus, je crois le nez, c'est ce qui va droit au cœur ou droit à l'âme, tu sais, c'est vraiment le truc qui parle bien, qui parle à tout le monde, qui enchante. Quoi. Et alors sur le terrain, parle-nous là maintenant. D'une journée de travail à la Bouchère, comment ça se passe? Vous travaillez d'abord en couple tous les deux? On travaille en couple, à quatre mains et deux cerveaux, donc quelquefois ça va bien, quelquefois il y a des difficultés, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est épanouissant d'un côté, valorisant. Absolument. Il y a toujours aussi le fameux recul qui est nécessaire, quand l'un part dans une histoire, on dit oui, ça, mais peut-être pas, et si, donc c'est pas mal, c'est bien pesé. Ça dépend, parce que ça dépend de l'année, quoi. Les moments les plus intenses, c'est au printemps et à l'automne. Comme on a beaucoup de plantes quand même qui sont un peu fragiles, pas que, mais il y a aussi des plantes qu'il faut protéger. Donc au printemps, la remise en route du jardin, ça demande beaucoup de boulot. Après, une fois qu'il est lancé, c'est de l'entretien. Mais donc un jardin, c'est l'entretien, mais c'est aussi la gestion, la prévision d'une année à l'autre. Ce sont les commandes de graines en hiver, les semis, la reproduction, les plantations, et tout cela, les soins. Tout cela à deux. À deux. Ouais. Oui, ouais. Donc des journées, des journées n'ont plus fini, bien remplies. Bien remplies. D'autres projets actuels pour... Des projets, il y en a toujours. Ouais, ça, c'est... Là, le prochain projet, je pense qu'on va faire un petit coin jardin zen, jardin japonais, donc avec du sable, mais un peu participatif. Je pense qu'on va le faire, on va faire une espèce de petit îlot central définitif, et après, autour, un truc où les enfants puissent ratisser, faire eux-mêmes leur petit jardin japonais éphémère qui bougera tout le temps, toute la saison. Ça,
c'est un des projets, mais on a d'autres projets. On aimerait bien faire un jardin. Notre jardin est étiqueté, donc on aimerait bien l'étiqueter aussi pour les aveugles, donc faire des panneaux en braille et certaines plantes un peu surélevées, entre autres. De toutes les heures de travail, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, si c'était à refaire, vous repartiriez sur les mêmes bases, vous le verriez autrement Sûrement sur les mêmes bases. Ouais. Ce serait forcément autrement parce que, je ne sais pas, nous on aurait changé, donc un jardin c'est quand même un peu le reflet de ce que tu vis tous les jours, mais c'est bien. D'accord. On est plutôt content du résultat. Même ça va toujours au-delà de nos espérances. Parce que en fait, c'est pas ce qu'on espérait, mais c'est différent, ni mieux ni moins bien, mais c'est autre chose. C'est toujours une surprise. Mais même d'une année à l'autre, c'est une surprise. Ouais. Ça, c'est en perpétuel mouvement, quoi. Et pas d'une manière prévisible. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre accueil chaleureux à tous les deux et puis on vous souhaite donc de passer une excellente saison maintenant à venir. Et puis on espère beaucoup en fait que les visiteurs du guide du flâneur viendront vous voir.